Sur le port de Bastia trône un étrange édifice. La tourelle supérieure du Casabianca, un sous-marin de 1500 tonnes enserré là, dans un bloc de béton, en plein milieu du quai. Drôle de fin pour un sous-marin hors norme qui participa au soulèvement de la Corse, premier département métropolitain à être libéré 8 mois avant le débarquement de Normandie. Les moteurs sont en avant, cap. Dès l'après-guerre, un film de fiction basé sur les mémoires du commandant Jean L'Herminier, interprété par Jean Villard, célébrera les exploits du sous-marin qui permettront la libération de l'île de Beauté. Casabianca est produit avec le soutien de la Marine nationale qui saisit là l'occasion de mettre en avant l'un des rares exploits d'une marine longtemps restée vichyste. L'histoire de la libération de la Corse est typiquement celle où les combattants avec et sans uniforme ont travaillé en commun accord pour la libération de leur pays. Les militaires, nous autres, les marins, nous apportions les armes. Elles étaient prises en charge par les patriotes. Et les patriotes les stockaient pour s'en servir le jour venu, le jour de la grande révolte. Le film, qui connaît un vif succès, présente l'image idyllique d'une résistance corse, lissée de toute aspérité politique, unanime à se ranger derrière le drapeau tricolore. Mais cette vision consensuelle qui transforme L'Herminier en héros populaire passe sous silence une histoire encore plus incroyable. Comment un officier vichyste et une résistance majoritairement communiste ont pu se retrouver côte à côte au cours de ces combats? Jean L'Herminier est né en 1902 et comme son père, il opte pour une carrière dans la marine nationale. Après l'école navale, il entre dans la sous-marinade. La sous-marinade, ça attire justement des jeunes un peu en rupture de banc qui veulent de l'autonomie, parce que sur un cuirassé, c'est extrêmement... tout est codifié, la discipline est extrêmement stricte, on n'a pas beaucoup de marge d'autonomie, d'initiative. Alors que sur un sous-marin, la discipline, elle est traditionnellement moins formelle. En mai 1940, L'Herminier est bouleversé par l'effondrement brutal de l'armée française. Mais il est plus encore meurtri par la tragédie de Merzel-Kébir. Quelques jours après l'armistice, demandé par Pétain, les Britanniques ouvrent en effet le feu sur la flotte française qui refuse de poursuivre le combat contre l'Allemagne. 1300 marins français périssent. L'autre tragédie à laquelle L'Herminier participe et dont il garde sur lui des photos personnelles est l'attaque ratée de Churchill et des forces françaises libres de Gaulle contre la marine de Vichy, devant Dakar, en septembre 40. Le premier combat fratricide entre Français. L'Herminier est donc un officier maréchaliste, violemment anti-gaulliste et anti-britannique, lorsqu'il hérite du commandement du Casabianca en 1942. Le sous-marin est basé à Toulon, où est regroupé l'essentiel de la flotte de Vichy, désarmée et réduite à la neutralité par l'armistice signé avec l'Allemagne. Mais le 8 novembre 1942, le conflit mondial bascule lors de l'opération Torche. 100 000 soldats américains et britanniques débarquent en Afrique du Nord. 3 jours durant, les forces vichistes vont tenter d'empêcher ce raz de marée militaire. Les Américains, pressés de poursuivre leurs opérations vers la Tunisie, décident de traiter avec l'amiral Darlan, le numéro 2 de Vichy, présent à Alger. Celui-ci, menacé d'emprisonnement, finira par signer un cessez-le-feu avec les Américains, contrevenant ainsi aux ordres envoyés par Pétain. L'Herminier est comme beaucoup des commandants de la force de haute mer. Il fait partie des commandants qui, à Toulon, brûlent de rallier Alger, mais rallier Alger non pas pour rejoindre le combat aux côtés des Alliés, mais rejoindre ses camarades qui se battent contre les Alliés. De leur côté, les Allemands, pris de court par l'opération Torche, autorisent la marine vichyste à réarmer certains bâtiments de Toulon. Les Américains ont débarqué en Afrique du Nord, les Allemands se sont affolés et ont demandé que tous les sous-marins
soit en état de combattre le plus vite possible. Et c'est à ce moment-là que nous avons embarqué les cônes de combat, les torpilles, donc avec leur mise de feu, des munitions pour le canon, des munitions pour les mitrailleuses. Donc nous étions vraiment en ordre de marche complet, en ordre de combat, grâce à ça. Et nous nous attendions donc à sortir pour lutter contre d'éventuels envahisseurs américains, puisque c'était la panique à ce moment-là, du côté des Allemands. Le 11 novembre 1942, Hitler envahit la zone libre en représailles du cessez-le-feu signé à Alger par Darlan. Mais en accord avec Pétain, il laisse la responsabilité de la base navale de Toulon à l'amiral de Laborde. Ce dernier suivra les ordres du maréchal, se défendre contre toute agression extérieure, quitte à envisager le pire si la flotte est acculée dans la rade. Les militaires, comme de Laborde, croient en la parole des Allemands. On est presque entre gentlemen, on est entre hommes du même monde. La parole suffit. Et si jamais il y a une menace, quelle que soit la nature de cette menace, qu'elle soit en provenance des Britanniques ou des Allemands, on se sabordera. Et donc ce sabordage, on s'y est préparé depuis très longtemps, au moins mentalement. Et ça compte. Dans la partie nord du port stationnent 5 sous-marins, dont le Casabianca. Officiers et marins sont désorientés. Beaucoup d'entre eux ne supportent pas l'idée d'un sabordage. Une question les taraude. En cas d'attaque des Allemands sur Toulon, pourquoi ne pas fuir vers une zone neutre comme l'Espagne, ou même vers Alger? Le 26 novembre, Hitler rompt ses engagements. Dans la soirée, une panzerdivision allemande est aux portes de Toulon. Sa mission est de récupérer la flotte française intacte. Dans la rade, l'alerte est donnée. Les sous-marins reçoivent l'ordre de sortir pour protéger la flotte d'une éventuelle attaque par la mer et lui laisser le temps de se couler. Une fois cette mission accomplie, ils devront eux aussi se saborder. À 5 heures du matin, on a commencé à entendre les Allemands qui fracassaient les portes d'entrée de l'arsenal et qui commençaient à tirailler à droite et à gauche, et que la relève est en fait, le klaxon a fonctionné, que 3 minutes après tout le monde était à ses postes de combat, que les Allemands étaient largués et qu'on mettait en avant. Ce 27 novembre, à 5h30, le Casabianca quitte le port avec à sa suite les 4 autres sous-marins. C'est-à-dire qu'avant d'arriver au large de Toulon, on a vécu une journée je m'excuse du terme, mais on a serré les fesses. Parce que on a plongé il y avait 15 mètres d'eau sous la coque à peu près, vous voyez, jamais un sous-marin n'avait plongé là. On a raclé d'abord. Et ensuite, on s'est mis dans les filets de mines. Et ça, depuis 7 heures le matin jusqu'à 6 heures le soir, on a entendu les orins de mine qui grattaient la coque. Et on a eu du pot de... On s'attendait à chaque minute à sauter, quoi. Pendant ce temps, dans la rade, en moins de 2 heures, 85 bâtiments, soit 80% de la deuxième flotte mondiale, se sont sabordés, obéissant aux ordres de l'amiral de Laborde et de Pétain. S'il y a bien une réussite le 27 novembre 1942, c'est celle-là. C'est une parfaite réussite technique. Les Allemands ne récupéreront quasiment rien. Au large de Toulon, l'écœurement et la perplexité règnent à bord du Casabianca. Une fois qu'ils sont sortis, qu'est-ce qu'on fait? Donc on attend. On attend, et c'est le luxe d'un sous-marin, c'est-à-dire qu'on va se poser au fond, et là ça discute. Alors là, pour le coup, l'air minier est extrêmement discret. À l'en croire, il y a une hésitation, mais en même temps, le consensus se fait assez vite. Lorsqu'on commence à interroger les anciens, mais malheureusement, il y en a de moins en moins, ce qui se fait jour, c'est une réalité quand même un peu plus nuancée. D'abord, il y a l'état-major qui s'est réuni dans le carré, même si c'est rien, le carré, on tire un rideau. Et là, visiblement, il y a des discussions relativement houleuses. Et celui qui ne veut pas aller à Alger, c'est l'air minier. C'est ses adjoints qui ont dit pas question de rester là, pas question de se saborder, pas question d'aller en Espagne, on va à Alger. Et il n'y a pas que ça, c'est que l'équipage connaît, aime son commandant, vraiment profondément, mais en même temps connaît un peu ses opinions. Tout le monde s'était défoncé pour avoir un bateau impeccable. On voyait l'avenir tout à fait sous une autre forme que de sabordage, vous comprenez? Et nous avons délégué notre doyen
pour aller voir le commandant d'Herminier pour lui exposer un petit peu nos désirs, c'est-à-dire de continuer le combat. Ça a été très clair, c'est que ça a été dit franchement au commandant, on ne veut pas se saborder, nous sommes tous d'accord pour bouffer du Boche, et ça, il faut partir, commandant. On veut partir. Réglez les moteurs à 290 tours. Ça, sur un cuirassé, c'est absolument impossible, ou sinon tout de suite, ça dérive en mutinerie, c'est pas possible. Sur un sous-marin, c'est différent. C'est tout petit, tout se sait très vite, ça discute. Voilà. Alors, évidemment, cette discussion entre officiers, il en parle à peine, l'Herminier, et l'intervention de l'équipage, et une intervention qui, visiblement, était quand même assez ferme, via des représentants, ça, il n'en a jamais parlé. L'Herminier, poussé par les circonstances et les arguments de son équipage, décide de désobéir aux ordres de Vichy et fait route vers Alger. Le Casabianca vient de faire le premier pas de son épopée. Le 30 novembre 1942, à 7h du matin, le commandant L'Herminier observe la rade d'Alger dans son périscope. On est tellement étonné de ne pas avoir été repéré par les Anglais, puisqu'on avait passé sans le savoir, en plongée, à 60 mètres, on avait passé le barrage des Anglais, et on était à l'intérieur. Et donc L'Herminier a dit, mais il faut qu'on fasse surface. Alors on a vu deux destroyers anglais mettre le cap sur nous, et on a commencé à signaler sous-marin français, Casabianca, sous-marin français, Casabianca. Et alors, ils nous ont fait cette réponse extraordinaire. Vous ne répondez pas aussi de reconnaissance. On les a dit, on les a pas. Alors, d'où venez-vous? Alors, on vient de Toulon. Alors, à ce moment-là, c'était la joie. Ils ont jeté leur casquette en l'air. Ils sont venus nous prendre en sandwich, là, tous les deux. À Alger, L'Herminier rencontre le général Henri Giraud, le nouveau commandant en chef de l'armée d'Afrique. Giraud, évadé d'Allemagne, avait rompu avec Vichy et rejoint les Alliés juste avant le débarquement. Imposé par les Américains à l'amiral Darlan, qui gouverne provisoirement l'Afrique du Nord, Giraud séduit L'Herminier. Il n'est ni gaulliste, ni particulièrement anglophile. L'arrivée inopinée du Casabianca tombe à pic pour Giraud. En accord direct avec l'état-major allié, il prépare une mission de renseignement vers la Corse, un tremplin stratégique idéal vers la Provence. Depuis l'invasion de la zone libre, on est sans nouvelles de l'île, qui a été envahie non par Hitler, mais par son allié, Mussolini. 80 000 Italiens y débarquent alors que la Corse compte à peine plus du double d'habitants. Mussolini ne voulait pas occuper la Corse pour des raisons stratégiques. Comme il le disait, on parlait de troupes d'opération qui venaient là pour protéger d'une attaque anglo-saxonne. Ce sont des troupes d'occupation pour précéder l'annexion qui était en préparation. Mussolini a dit qu'il faudra l'occuper jusque dans les moindres villages, parce que les Corses sont difficiles à tenir. La population est très vite soumise aux privations alimentaires par l'occupant qui se sert sur place. L'OVRA, le service du contre-espionnage italien, secondé par les carabiniers, organise une surveillance policière systématique. Les installations militaires des côtes sont renforcées. À Alger, Giraud confie la première mission vers la Corse au deuxième bureau français, le service d'espionnage de l'ex-armée de Vichy, qui quelques semaines auparavant pourchassait encore les gaullistes et les communistes. Le commandant de Saulle, un spécialiste des missions en territoire ennemi, la dirigera, mais pas seul. La mission baptisée Pearl Harbor est totalement sous le contrôle de l'OSS américaine, la future CIA. Et par ce fait, vous voyez, j'ai pris contact avec le commandant L'Herminier et je l'ai présenté à mes chefs et nous avons arrangé cette expédition, vous voyez, qui pour moi, par exemple, était surtout une expédition pour mettre les émetteurs, ouais, les communications en place. Moi, j'étais spécialiste ingénieur des communications. Outre les chefs de la mission, trois jeunes Corses habitant à Alger et qui avaient aidé les Américains lors du débarquement ont été enrôlés par M. Brown. Alors, j'ai pris contact de l'autre côté avec le groupe Macorse qui m'a donné
les participants, vous voyez, Greffi, Preciosi, les radios que j'ai fait mais dans une petite école rapide, où ils ont appris leur métier, vous voyez, comme il faut. Et on a embarqué tous ensemble sur le sous-marin le 11 décembre à 6h après-midi. Pierre Griffy, l'opérateur radio, ancien des brigades internationales en Espagne, et Toussaint Griffy, un jeune officier, son cousin. Laurent Preziosi est un instituteur syndicaliste de gauche. Lors d'un séjour en Corse, un an plus tôt, il a établi des contacts prometteurs qu'il va pouvoir réactiver. C'était une mission de renseignement et d'action, c'est-à-dire une mission que, dans un premier temps, de recueillir tous les renseignements sur l'implantation des troupes d'occupation dans toute la Corse. Et la deuxième mission, si la première était réussie, c'est celle de préparer l'organisation militaire de la résistance, c'est-à-dire recevoir des armes et les répartir sur les différents points de l'île. Cette curieuse équipe, constituée d'hommes que tout opposait hier, De Saule et l'Herminier, ex-vichistes d'un côté, les Corses nettement marqués à gauche de l'autre, va bénéficier des 3 jours de traversée vers la Corse pour mieux se connaître. Le sous-marin doit se méfier des bâtiments qu'il pourrait croiser ainsi que du survol des avions ennemis. De jour, le sous-marin navigue en plongée. De nuit, il fait route en surface pour recharger ses accumulateurs. Nous n'avions aucune information sur les défenses de côte de la Corse. Et nous n'avions aucune information sur les îlots de résistance qui étaient déjà existants quand nous avons commencé ces opérations-là. De sorte qu'on allait vraiment à tâtons. Durant la traversée, un choix est arrêté sur la baie de Chioni, à 40 km au nord d'Ajaccio. La plage est assez éloignée des axes routiers principaux. Le petit village isolé de Revinda, à une quinzaine de kilomètres à l'intérieur des terres, est ciblé comme premier lieu de contact avec la population corse. À bord à l'époque, c'était les jumelles. Hein. Alors vous savez, la nuit, quand il n'y a pas de lune, distinguer un cap d'un autre cap, une anse d'une autre anse, c'est difficile. C'est même impossible. Eh bien, on a débarqué dans une anse qui n'était pas prévue, où on est rentré en marche arrière parce qu'elle ne faisait que 50 ou 60 mètres de large, alors que nous, on en faisait quand même 103 de long, donc on ne pouvait pas tellement manœuvrer à l'intérieur. Hein? La mission Pearl Harbor vient d'éviter sans le savoir une catastrophe. La plage de Chioni est occupée par un cantonnement de 1500 soldats italiens. Le 14 décembre, à minuit, le sous-marin est devant l'anse voisine de Topiti. Il était prévu ce jour-là de laisser sur le bord de la plage Monsieur Brown et le radio Griffy, tandis que le commandant De Saule essayait d'établir des contacts avec la population pour obtenir des mulets pour pouvoir, la deuxième nuit, transporter le matériel que le Casabianca devait débarquer. Ça fait que nous avons débarqué vers 1h du matin et c'est seulement à 8h du matin qu'on arrivait à rejoindre la route. Et là, nous sommes tombés sur une bergerie. Il y avait une vieille dame, très gentille. Nous lui avons dit, nous sommes des réfractaires au travail obligatoire. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a des Italiens? Enfin, voyez. Et comme elle nous a vu bien fatigués, elle nous a donné un bon bol de lait chaud. Et ensuite, nous avons dit, nous voulons nous rendre à Revinda, que nous ne connaissions pas. On savait tout juste où ça se trouvait sur la carte. Elle nous a fait guider par son fils jusqu'au chemin muletier. Et là, sur ce chemin, nous avons rencontré l'abbé Mattei, curé de Cargès. Et je montais, n'est-ce pas, à Dodane, chez mon âne, en fredonnant des cantiques. Et je vois, du plateau, je vois 3 étrangers qui montaient par le sentier. Le commandant De Saule réussit à convaincre le prêtre de les recevoir discrètement à la fin de l'office. À la fin de la messe,
tous les paroissiens sortent dehors et je reste à l'église, les deux jeunes et le vieux. On ferme la porte à clé et le vieux s'avance. Je suis le commandant dessous. Je viens d'Angers, envoyé par les alliés pour préparer le débarquement en Corse. Si vous marchez, la mission réussira. Si nous sommes pris, nous sommes fusillés, vous et moi. Allez, je marche. Je marche et je ferai tout mon possible pour vous aider. Grâce à l'abbé, Pearl Harbor reçoit le concours d'un habitant du village qui propose ses mulets pour aller chercher le radio Pierre Griffy et son matériel resté sur la plage. Dès le lendemain, empruntant des chemins de berger, l'équipe fait route vers Corté, au centre de la Corse. Et à partir de là, c'est Preciosi qui, pour l'essentiel, a essayé, dans les villages où il avait des parents, de contacter les premiers appuis qu'il pouvait avoir. Les mouvements de résistance étaient tous formés déjà, hein, avant l'occupation. Mais ils étaient tous assez squelettiques. Mais ils existaient. De retour à Alger, l'Herminier apprend que les services secrets viennent de recevoir un message de Pierre Griffy. La première partie de la mission Pearl Harbor de prise de contact a réussi. L'amiral Darlan et Giraud viennent en personne féliciter l'Herminier. Darlan, qui pérennise les lois raciales de Vichy et la répression politique, est devenu gênant. Le 24 décembre, Darlan est assassiné. Giraud est catapulté chef du gouvernement transitoire en Afrique du Nord. Bien qu'il ne change rien à la politique réactionnaire de son prédécesseur, il est la carte que les Américains veulent imposer à Churchill contre son poulain, le général de Gaulle, la bête noire de Roosevelt. Mais Giraud et les alliés ne sont pas les seuls à s'intéresser à la Corse. À Londres, début 42, un Ajaxien de 28 ans, Fred Scamaroni, a rejoint les forces françaises libres avec déjà derrière lui un solide passé de résistant. Il va être intégré au service secret de la France libre, au sein du BCRA, et il va réussir à convaincre de Gaulle que, justement, il y a une possibilité, il y a une opportunité de rallier la Corse. Et donc, il est décidé, effectivement, de l'envoyer en Corse pour établir la liaison avec les résistants corses, comme on a envoyé d'autres agents, Jean Moulin étant le plus fameux, pour établir la liaison avec les résistants de métropole. Le 7 janvier 1943, Fred Scamaroni et son opérateur radio sont déposés sur une plage au nord de Propriano. Ils doivent prendre contact avec des sympathisants gaullistes. Fred Scamaroni venait pour travailler à la libération de la Corse et il venait au nom du général de Gaulle pour unifier la résistance corse. Gros travail. Donc il lui fallait prendre l'angle avec les responsables des mouvements. Ces combats qui lui a fourni ses meilleurs éléments. Libération Sud, qui existait aussi. C'était un peu toujours les mêmes, d'ailleurs, qui s'occupaient de combats Libération Sud. Ça ne représentait pas 100 personnes dans toute l'île, hein. Mais des gens qui pouvaient trouver quand même de quoi constituer un réseau. C'est seulement après son arrivée en Corse que Scamaroni réalise qu'il y a une autre mission sur place qui s'appelle Pearl Harbor. Il réalise que cet officier prend des contacts, promet des armes, et il réalise qu'un certain nombre de résistants, évidemment, par volonté de se procurer des armes, acceptent ses instructions, etc. Et puis ça va surtout être le cas du Front National, qui est une sorte de faunée du Parti communiste local, trop heureux évidemment de pouvoir se procurer des armes par ce biais-là. Le Front National est une organisation créée par le Parti communiste corse qui cherche à élargir son influence vers d'autres mouvements de résistance. Ses dirigeants, comme Arthur Giovanni, ont refusé l'offre de Scamaroni de se rallier à la tutelle de De Gaulle. Ils préfèrent traiter sans contrepartie politique avec l'équipe concurrente, celle des Giraudistes.
nous avions bien commencé à recenser les armes que nous avions refusé de livrer sur les injonctions de Pétain, mais les armes que nous avions recensées, c'était des pistons, des lefaucheux, des pistolets et même des stylets. Enfin, on avait tout recensé, mais évidemment, c'était des armes très insuffisantes pour s'attaquer à une armée comme celle que nous avions en face de nous. C'est la raison pour laquelle nous avons accueilli le Casabianca comme une aide extrêmement précieuse. Le 1er février 1943, le Casabianca repart vers la Corse. Les Américains qui supervisent l'opération ont fourni la première cargaison d'armes destinées à la résistance. Il y a eu 1000 mitraillettes et 1 million de cartouches. Bien. Ça, c'est le premier voyage des armes qu'on a amenées en Corse. 1000 mitraillettes Sting, ça veut dire que vous avez des fer là. Ou... Oui. Mitraillettes anglaises, très dangereuses. Le 5 février, le sous-marin est devant la plage d'Aron, près de Piana. Rendez-vous a été pris avec le commandant de Saul, débarqué deux mois plus tôt. Paris a débarqué les munitions. Les Américains et les Anglais nous ont quand même donné des rubber boats, des bateaux pneumatiques. Alors on formait deux trains de rubber boats, 5 ou 6, je crois. Et on mettait 400 kilos de camelot dans chaque, que l'on transportait déjà de nous sous à nous sur le pont, du pont dans les rubber boats. Ensuite, il fallait faire le trajet jusqu'à la plage. À la plage, débarquer les caisses dites à munitions. Et attention, c'est qu'on ne débarquait jamais sur des plages de sable parce que ça laissait trop de traces. On débarquait dans les cailloux. Il y en a encore beaucoup comme ça ? Non, ce sont les derniers. Et pendant nos petites galopades entre bord et plage et tout ça, et camouflés, on a été des fois à participer à cette opération-là. 25 gars qui représentaient le quart de l'équipage, donc qui mettaient en péril aussi la vie du bateau. Parce que quand il manque un quart d'équipage, parce qu'à bord, il n'y a pas de flemmard, tout le monde a son poste et tout le monde est utile. Tout le monde en va, nous allons planter. Le lendemain, l'équipe de Saul récupère la première cargaison d'armes livrée en Corse. Un mois plus tard, le 10 mars, le Casabianca est devant Favone pour une nouvelle mission. Il faut rapatrier à Alger Toussaint Griffy et Laurent Preziosi, repérés par les Italiens. Vos deux hommes demandent à réintégrer le port. Occupez-vous de ça, le Grec. Bien, commandant. L'Herminier apprend par les deux exfiltrés qu'un convoi italien de transport de troupes est attendu à Bastia. Piqué au vif, son instinct de combattant se réveille. Son navire n'est pas juste bon à convoyer des armes et des agents secrets. À 14 heures, le Casabianca lance une torpille sur un cargo qui effectue un zigzag au dernier moment. Poste de combat, nous avons qu'à surface. Poste de combat. Poste de combat. Pas découragé, l'Herminier longe la côte avec l'idée d'attaquer au canon un dépôt d'essence. Mais avant même d'avoir pu tirer, le Casabianca est repéré par une frégate de grenadage. Et alors, il y a quand même au canon autour, il y a 5 bons hommes. Le veilleur, le pacha, le fils Edgar, le Bosco. Et ensuite la chaîne qu'il y avait depuis les soutes pour monter les obus. Entre coups de klaxon, là il n'y a pas d'ordre, là c'est les coups de klaxon et là ça plonge. Hein. Le gars au central, lui, il oublie purge. Eh bien, de surface avec 12 bons hommes sur le pont, en 26 secondes, on était à 30 mètres. Ils sont pris en chasse immédiatement par le bâtiment allemand. On a été grenadés de 7h le matin à pratiquement 8h le soir. On a dû recevoir entre 85 et 90 grenades. Et quand le grenadage est vraiment très 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 près,
Mais vous êtes soulevé du parquet, hein. Pas qu'un petit peu, vous êtes soulevé de 10 centimètres. Voilà, poste avant. Oh ben des voies d'eau, c'est pas ce qui manque. Elle a pas pété loin, celle-là. On a eu bien souvent... pas l'impression, mais la certitude que cette fois-ci, c'était bien, quoi, c'était bon. On remontait pas. Et puis on est remonté, et puis on est là. Ouais. De retour à sa base, le sous-marin qui a subi de sérieuses avaries suite à l'excès de témérité de son commandant est mis en carénage à Oran pendant 2 mois. En Corse, rien n'est encore joué entre les deux missions concurrentes. Mais à Londres, les services secrets gaullistes s'inquiètent. Ils n'ont plus aucune nouvelle de Fred Scamaroni. Scamaroni a fait plusieurs tentatives. Il a envoyé des messages à Londres. Il leur a dit que s'il voulait être crédible, il devait lui aussi montrer qu'il pouvait fournir des armes. Et c'est pour ça qu'un débarquement d'armes a été prévu par le BCRA. Et ce débarquement d'armes, Scamaroni devait aller le réceptionner lui-même au mois de mars sur un point de la côte occidentale. Et ce débarquement n'a pas eu lieu, on n'a pas trouvé pourquoi. Le 17 mars 1943, le service de contre-espionnage italien débusque le radio de Scamaroni, qui sous la torture finit par donner son chef et des membres du réseau. Incarcéré à la citadelle d'Ajaccio, Scamaroni, lui, ne parle pas et se suicide. Le réseau gaulliste est brisé par les arrestations et les déportations. Le contact entre Londres et la Corse est totalement coupé. Tunis est libéré le 7 avril 1943. L'état-major anglo-américain a décidé de la stratégie à venir. La Sicile puis l'Italie sont les prochaines cibles. Les opérations vers la France métropolitaine ne sont donc pas prioritaires. Pour Giraud, c'était une déception. Ses entretiens avec Eisenhower ont visé à persuader le général américain qu'il pourrait peut-être y avoir une expédition, mais uniquement française, sur la Corse, qui serait faite parallèlement à l'opération en Italie. Le réseau de renseignement à présent bien rodé, Giraud veut passer à la phase de l'organisation militaire de la résistance. Pour cela, il envoie un nouvel agent, le Corse Paulin Colonna d'Istria, un colonel de gendarmerie, qui remplace le commandant de Saul, maintenant trop exposé. En un mois, Colonna d'Istria réussit à convaincre les résistants modérés, isolés depuis la mort de Scamaroni, de rejoindre le Front National, qui reste cependant majoritairement communiste. Sur le terrain, il réorganise militairement les maquis, constitués de jeunes réfractaires au STO et de militants recherchés par les Italiens. De retour à Alger pour rendre compte de sa mission, Colonna d'Istria y découvre une toute nouvelle situation. Le général de Gaulle, maintenant reconnu comme seul chef de la résistance en France, grâce à l'action de Jean Moulin, a quitté Londres et s'est installé à Alger. Avec le général Giraud, ils ont fondé le Comité français de libération nationale, le CFLN. Giraud, d'abord, était extrêmement confiant en lui-même. Il était absolument persuadé de ses qualités, mais surtout, Giraud avait un atout maître. Il avait le soutien personnel de Roosevelt, qui ne misait pas tellement sur ses qualités politiques ou même militaires, mais plutôt sur son nom, sur sa popularité dans l'armée, etc. Fort de ce soutien, le général Giraud était convaincu qu'il s'imposerait naturellement au général de Gaulle. Le général de Gaulle, effectivement, matériellement, avait beaucoup moins d'atouts. Il était aussi beaucoup moins bien avec l'administration américaine, mais il avait pour lui une force morale, une habileté politique aussi, qui lui ont permis de s'imposer. Donc il y a une compétition extrêmement forte entre les deux têtes de l'exécutif du CFLN. Chacun dirige ses propres services secrets. Là aussi, une compétition extrêmement vive entre les services secrets. Celui qui contrôle les services secrets contrôle le contact avec la France. Mais en juin 1943, Giraud conserve l'entière responsabilité des opérations secrètes en Corse. De Gaulle ignore tout du rapport de Colonna d'Istria.
l'agent secret estime que le Front National est capable de mobiliser une dizaine de milliers de maquisards en cas d'insurrection. Au même moment, en Corse, la résistance subit une série de coups terribles portés par l'OVRA, la police secrète italienne. Pierre Griffi, le seul de la mission Pearl Harbor resté en Corse, est arrêté le 15 juin à Ajaccio. Torturé, il ne lâche rien. Il est condamné à mort et exécuté. Le 17 juin, à Ajaccio, deux membres du Front National sont abattus lors d'une réunion clandestine. Le 27, Jean Nicoli, le responsable militaire du Front National, tombe à son tour dans les filets de l'OVRA. Il sera sauvagement décapité deux mois plus tard. Il faut d'urgence donner plus de moyens à la résistance. En appareillant d'Alger le 25 juin, le Casabianca, remis à neuf, arbore fièrement un étrange pavillon noir. C'est le Jolly Roger, l'emblème des sous-marins britanniques, décerné à titre honorifique pour la réussite de ses missions en Corse. Mais l'herminier, lui, accuse le coup. Depuis plusieurs semaines, des douleurs aux jambes l'obligent à de fréquentes pauses. Il se sait malade des artères, mais veut coûte que coûte terminer la guerre à son poste. Le 1er juillet, le Casabianca est en vue de la pointe de Courza, au bord du désert des Agriates. Il doit livrer des armes et déposer Colonna d'Istria, qui vient reprendre son poste. Dans la nuit du 2 ou 3 juillet, nous débarquons donc ici, mon radio et moi, du sous-marin Casabianca. Nous sommes accompagnés d'un chargement de 12 tonnes d'armes et de munitions. Venant de l'intérieur du pays, les équipes de muletiers et d'hommes, de toutes sortes de bêtes de somme, font en sorte que, de la plage, nous remontions vers Castres et pendant un mois d'effort, nous mettons nos armes en sécurité afin de les distribuer à ceux qui vont s'en servir. En Corse, la répression s'accentue et les maquis sont menacés. Les populations voisines, qui sympathisent avec la résistance, soumises à des rafles et des déportations. Les patriotes sont à bout de nerfs. Ils n'en peuvent plus. Il n'y a de seule source de salut pour eux que dans la fuite en avant. Ils parlent même de démarrer tout seul et de lancer l'insurrection. Et pour leur faire prendre patience, j'envoie un message à Alger. Je demande une décision. Giraud répond par télégramme. Libérez vos otages, vengez vos martyrs, mais surtout ne vous soulevez pas. Autrement dit, allumez l'incendie, éteignez-le tout de suite. Le 5 septembre à minuit, le Casabianca venu d'Alger est devant Capo di Fenno, à quelques encablures d'Ajaccio. Il doit récupérer le communiste Arthur Giovanni, numéro 2 du Front National. On est venu me chercher avec le Casabianca parce que nous avions pu, grâce à un concours de circonstances, obtenir un document de 180 pages qui comportait l'emplacement de toutes les troupes, de toutes les armes, etc., c'est-à-dire un document complet sur le corps de bataille ennemi dans le département. Lorsque l'on a été informé que nous possédions ce document, on a envoyé le Casabianca pour me prendre et pour déposer en même temps quelques armes. Giovanni, qui espère convaincre Giraud de lancer au plus vite des opérations sur la Corse, parvient à Alger le 8 septembre. Le jour même, le général Eisenhower annonce sur les ondes que l'Italie vient de capituler. À Ajaccio, au même moment, le Front National décide alors de déclencher l'insurrection sans attendre de renforts extérieurs. Le schéma du Front National partout en France, et ça n'a réussi qu'en Corse, c'était, sans attendre forcément l'arrivée des Alliés, que le peuple se soulève, qu'il détruisent les autorités vichysoises et qu'ils combattent l'occupant et ensuite qu'ils prennent les pouvoirs. La foule descend dans la rue. Les locaux de la milice sont saccagés, la mairie investie, les journaux de la collaboration sous contrôle. À Alger, le lendemain, le 9, Giovanni, ignorant tout des événements de Corse, est invité à déjeuner par Giraud. J'étais à 100 lieues de me douter en ce qui me concerne et les autres Corses aussi. Qu'il pouvait y avoir à Alger des dissensions entre les deux généraux co-présidents du Comité français de la Libération nationale. Je suis mis en présence du général Giraud, qui m'invite à sa table, et qui y invite en même temps M. André Philippe, commissaire à l'intérieur, c'est-à-dire ministre du général de Gaulle. Candide, Giovanni raconte à André Philippe les cinq derniers mois de résistance en Corse.
Il fait l'éloge du Casabianca et des missions secrètes de Giraud. André Philippe tombe des nues, puis s'empresse d'informer de Gaulle. Pour le général de Gaulle, il y a deux aspects. Il y a à la fois le fait qu'il n'ait pas été mis au courant au préalable que ces opérations se préparaient. Donc ça le met hors de lui, évidemment. Et puis, il y a le fait, évidemment, l'enjeu de qui contrôlera le territoire libéré. Si ce sont les communistes, ça pose évidemment un problème pour le général de Gaulle et ça laisse augurer de très grosses difficultés pour le moment où on libérera le territoire français en entier. Toujours le 9 septembre, suite à la capitulation italienne, Hitler donne l'ordre à la 90e Panzer Division, basée en Sardaigne, de passer en Corse. Les 15 000 soldats allemands devront remonter sur Bastia, puis embarquer pour rejoindre le front italien. Au même moment, Colonna d'Istria et les dirigeants du Front National ont obtenu du général italien qui commande les troupes d'occupation l'assurance d'une collaboration militaire contre leur ancien allié allemand. Les Allemands qui tentent de sécuriser le port de Bastia pour l'embarquement de leurs troupes se heurtent à la résistance d'unités italiennes. Le lendemain, les maquisards corses attaquent les convois allemands qui tentent de remonter vers le nord de l'île. Mais les forces sont trop disproportionnées et l'aide d'Alger devient vitale. Le 11 septembre, l'Herminier et ses supérieurs se réunissent à l'amirauté d'Alger avec les représentants militaires anglo-américains. Je viens d'être reçu par le général Giraud. Il m'a exposé la situation en Corse et m'a demandé ce que la marine pouvait faire. Le QG allié ne peut nous donner aucun secours. Toutes les forces navales et aériennes alliées sont engagées à fond à Salerme et le résultat de ce débarquement est loin d'être assuré. Est-ce bien ainsi, commandant ? Vous ne pouvez compter que sur les moyens français. Le général dispose d'un bataillon de choc. Il m'a demandé si je pouvais le transporter immédiatement en Corse. Nous avons déjà rappelé le Fantasque et le Terrible, ils arrivent à 30 nœuds, mais seront là trop tard. Devant ce cas d'extrême urgence, il nous reste une seule unité disponible à Alger, le Casabianca. Paré pour toute mission, amiral. Et vous, commandant, combien pouvez-vous transporter de bons hommes d'Alger en Corse ? Oh, une centaine. Les autres, ils ouvrent des birons comme ça, n'en croyant pas leurs oreilles. Et dans combien de temps? On part dans 24 heures. Alors là, assis, hein. À vrai dire, nous n'avons jamais appris que nous allions faire une opération en Corse. Et des camions sont venus nous chercher. Le temps de faire ouf, on s'est trouvé sur les quais. Les quais étaient couvert d'explosifs, de munitions, on nous a laissé prendre tout ce qu'on voulait et on nous a bourré dans le sous-marin. Le mot bourré est exact car nous étions à peu près 105, on nous a mis de tous les côtés, entre les machines, près des machines, dans les soutes, on nous a enfermés dans les moindres petits recoins et sur le moment nous pouvions bouger, ensuite on s'est débrouillé, mais enfin, ce qui nous a incommodé c'est pas tellement le mal de mer, c'est surtout le fait d'être empilés les uns sur les autres. Il faisait une chaleur accablante. Enfin, ils n'ont pas apprécié parce que, bon, eux, c'était plutôt des... On leur faisait faire des parachutages, quoi. Puis des commandos aussi, débarquement à terre, comme ça, mais sous-marin, c'était la première fois qu'ils y goûtaient, hein. Alors, disons que ils ont surtout manqué d'air. Il n'y a pas que vous, hein. À mi-chemin, on nous a appris que nous devions débarquer près d'Ajaccio et tout était organisé. Nous devions, quelques kilomètres avant la côte, quitter le sous-marin pour aller débarquer avec des petits bateaux de pneumatique. Nous étions entraînés d'ailleurs là-dessus. Et heureusement pour nous, je dirais, il y a eu un contre-ordre. L'armistice avait été signé avec les Italiens et le sous-marin a pu aller au port d'Ajaccio. Et enfin, le Casabianca, qui avait réussi ce record d'empiler 109 combattants du bataillon de choc, en plus de son équipage, ce qui portait le peuple du Casabianca à 170 membres. Et le Casabianca, donc, a réussi le 13 septembre 1943 à mettre à terre les 109 premiers combattants de la Libération. Alors, c'était plein de monde. C'est incroyable. Alors, quand ils ont commencé à débarquer à Ajaccio,
Ils se sont mis d'une telle façon, ils se mettaient par petits carrés de 6, 6 au carré, vous voyez, et espacés de 5, 6 mètres. Si bien que on voyait des trouflons partout, on se croyait qu'il y avait une armée entière qui avait débarqué, et il y avait des gens qui avaient commencé à compter tout bas, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et ça continuait, et ils ont fait le décompte comme ça jusqu'à 109. Alors là, il y a eu un grand silence. Et puis on a entendu « Vive le Casabianca et vive la Corse ». Le lendemain, des renforts arrivent à Ajaccio. Les combats contre les Allemands vont durer 2 semaines. Les résistants assistent le bataillon de choc dans des missions de harcèlement et guident le 1er régiment de montagne marocain dans sa progression vers le nord. À leur côté, des soldats italiens participent à la prise du col de Teguim, dominant Bastia. Le 4 octobre, les Allemands partent de Bastia, laissant plus de 1000 morts derrière eux. Les Italiens, eux, ont perdu 600 hommes. Quant à la résistance insulaire, elle déplore 170 tués et les troupes françaises régulières 75. L'enjeu corse, ça n'est pas un enjeu stratégique pour les Alliés. C'est un enjeu franco-français. L'enjeu, c'est, un, qui mettra le premier le pied sur une partie du territoire métropolitain français libéré, et éventuellement, qui s'y installera? Parce que les services gaullistes craignent, ils auront tort au final, mais ils craignent vraiment qu'une Corse libérée permette à Giraud d'aller s'installer dans un territoire français libéré et par conséquent d'y installer une forme de gouvernement qui aurait une légitimité supérieure à celle du gouvernement qui se trouve à Alger. Le 8 octobre, de Gaulle foule le sol de l'île libérée. Il est acclamé par les foules d'Ajaccio et de Bastia. Le Casabianca est retourné à Alger après sa dernière mission en Corse. C'est aussi la dernière du commandant L'Herminier. À l'hôpital, ses médecins ont diagnostiqué une thrombose qui le menace à tout instant d'une embolie fatale. Il n'y a pas d'autre solution que l'amputation. Quelques semaines plus tard, c'est alité et cul-de-jatte que le commandant L'Herminier reçoit la visite du général de Gaulle. Giraud, bord-cadre et tête nue, est déjà relégué dans les oubliettes de l'histoire. Remarquez que j'ai assisté à la cérémonie. Je faisais partie du piquet d'honneur. Alors on était 5 ou 6, je crois, avec le mousqueton, la cartouchière, enfin, etc., etc. Et alors De Gaulle est arrivé avec la décoration sur un coussin, bien sûr. C'est pas lui qui le portait, c'était trop lourd. Et il a fait un petit speech de 2 minutes. Il s'est penché, il lui a donné l'accolade et terminé, voilà. De Gaulle est venu au moins 10 fois sur les sous-marins anglais qui étaient à quai d'Alger à côté de nous. Il avait 2 pas à faire sur une passerelle, jamais il les a fait. L'Herminier s'est installé à Paris à la fin de la guerre. Durant les années qui lui restent à vivre, il se consacre entièrement à l'épopée du Casabianca et de son équipage. Il enchaîne conférence sur conférence jusqu'à l'épuisement. Le 17 juin 1953, Jean L'Herminier s'est éteint chez lui à 51 ans. Il est enterré en grande pompe aux Invalides. Les marins et les officiers présents ont tous pris part à la guerre, pas toujours dans le même camp. Ils sont là pour rendre un étrange et bien pratique hommage à la désobéissance. Les combats contre les Alliés et le sabordage de la flotte par la marine de Vichy sont de mauvais souvenirs rachetés par l'héroïsation de L'Herminier et de son Casabianca, qui, lui aussi, vit ses derniers instants. Il est désarmé avant et il est ferraillé juste après le décès de L'Herminier. Donc dans la presse, forcément on brode et donc le commandant n'a pas survécu à la fin de son bâtiment et quand c'est le bâtiment qui est ferraillé quelques mois après la mort de L'Herminier, eh bien c'est le vaillant sous-marin, fidèle compagnon du commandant L'Herminier disparaît quelques mois après son maître. Enfin bon voilà, on retrouve tout ce genre de choses dans la presse à l'époque. Pour les gaullistes, plus que L'Herminier, trop atypique dans sa trajectoire, c'est le Casabianca qui est mis en avant. Fer de lance d'une résistance extérieure, il permet de faire oublier le rôle crucial que joua la résistance communiste dans l'île. Quand le général de Gaulle arrive au pouvoir, dans les années 60,
il va relancer ce qu'on a appelé le mythe résistentialiste, c'est-à-dire d'une union de tous les Français, quel que soit leur camp, à part une poignée de misérables, comme on peut dire certains. Et donc, il va essayer de matérialiser ce qu'il cherche à incarner à travers un monument dédié à la France combattante. Et donc, au Mont-Valérien, ce qui n'est pas neutre comme endroit, parce qu'il y a plusieurs dizaines ou centaines de résistants qui ont été fusillés, on va installer le mémorial de la France combattante. Devant, sur la façade, il y a 16 unités qui sont représentées à travers des bas-reliefs, dont le Casabianca. Parmi ces 16, il y en a très peu qui sont des unités non gaullistes. Et ce qui est quand même, on ne pourra jamais savoir quelles auraient été les réactions de l'Herminier, mais au centre de ce mémorial trône une grosse, grande et belle croix de Lorraine. C'est quand même un singulier retournement quand on connaît les opinions politiques de l'Herminier. Et donc là, la boucle est bouclée, le Casabianca est intégré dans un récit qui noie un petit peu la complexité du parcours de son commandant. En Corse, l'Herminier et le Casabianca restent des symboles toujours présents. Monument Estelle célèbre l'étincelle qui raviva la flamme des patriotes de l'île et permit la libération de leur pays. À Bastia, en rêvant un peu, on peut, à la nuit tombée, apercevoir des silhouettes sortant du kiosque du sous-marin, comme le firent le 14 décembre 1942 les agents de la mission Pearl Harbor. Puis, s'arrachant de sa gangue de béton, voir partir vers la haute mer le Casabianca et le commandant l'Herminier. Un homme qui, confronté aux situations extraordinaires de la guerre, a mis de côté ses convictions arrêtées pour s'engager dans un combat auquel il n'était pas destiné à l'origine. Thank you.